Bienvenue, chers téléspectateurs. Plus de 1200 personnes seraient tuées depuis 2019 à Beni, une estimation de la Lucha qui appelle les forces de la MONUSCO à se relever. Ce mouvement citoyen sollicite 2 jours de deuil national en date de 16 et 17 janvier de l'année en cours en hommage aux personnes abattues par les rebelles ADF dans la région de Beni. Suivez la réaction de Claude Kalninou, militant de la Lucha. Ici, personne qui sont tués. Et donc, c'est une situation qui indigne et qui révolte la République démocratique du Congo et qui interpelle chacun de nous pour dire que voilà, la situation de Beni devrait actuellement être une question personnelle pour chaque Congolais. Nous sommes en train de demander haut et fort le relèvement de la MONUSCO qui, 22 ans après, s'avère être incapable de sécuriser la région de Beni, mais aussi pour notre armée de pouvoir renforcer les opérations militaires, de pouvoir extirper de la ligne de commandement certains officiers qui sont en tout cas cités dans des cas de corruption et de trahison. Nous sentons que nos politiques sont en train de désorienter leurs priorités, notamment sur des positionnements politiques, notamment sur la recherche de la majorité, l'union sacrée et j'en passe. C'est aberrant, c'est révoltant et c'est inquiétant.